Donc là, vous êtes le chef de la mission du programme Performance. Vous êtes dans le pays, alors quelle est votre mission dans le pays? D'accord, nous sommes ici pour, dans le cadre de la mission Performance, qui est la mission de développement de la gestion des fédérations de la FIFA. C'est un programme volontaire. La Fédération comorienne de football est intégrée au programme depuis déjà plus de 3 ans. Donc nous sommes en phase de suivi du programme. Le programme consiste à aider la fédération à améliorer son potentiel dans le footballistique déjà sur le terrain et en termes de gestion. Donc il y a 2 ans, une équipe est venue à travailler avec la fédération pendant 1 semaine. Ils ont identifié les priorités de développement de la fédération qui ont été implémentées par la fédération. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour nous assurer que toutes les priorités identifiées ont été mises en œuvre et que la fédération continue à évoluer sur la bonne voie. Et nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire l'identification de nouvelles priorités de développement. Vous avez envisagé et rencontré de quelle instance? Combien? Dans le cadre politique, nous allons rencontrer, faire une visite de courtoisie à son Excellence le ministre des Sports demain matin. Mais nous avons rencontré toutes les parties prenantes au football comorien, au niveau de la fédération, chacune des commissions, les membres de l'exécutif, l'académie de football, la presse, les sponsors, donc toutes les personnes de près ou de loin qui participent au développement du football. Wajah federation. Il y a quand même des gens qui ont été échoués. Avoir parlé de la développement, la fédération, la direction technique, le secrétariat général, le Kaoundé, l'ONA et Soiraf, l'administration, et le département communication et marketing. Ils ont des membres à Roussiwana directement dans l'émission. Chaque jour, wajo fanya dawli la heshima usonimwe waziri wa shabab ni wajana na sport haujawa muonese omjo haubano meze azikao wajanizo oli hodi zinatija zilindwao haruma yenisuya.